Là, je suis dans la rubrique technique énumérale de modulation. Mulligan est très intéressant parce que vous allez vraiment faire du glissement sur un mouvement actif pour rechercher ce qu'il appelle l'effet pile. Ça veut dire pain, instant change, long lasting, ça veut dire une réduction instantanée de la douleur et qui perdure au-delà de la technique. Donc ce que je veux, c'est que le mouvement douloureux devienne indolore et que ça dure après. Donc pour ça, on va prendre le mouvement de modulation qui est souvent douloureux. Ça, ça lui fait mal, peu importe l'endroit où ça lui fait mal. Il faut que je me débrouille pour réaliser un glissement postérieur, légèrement externe, et maintenir ce glissement pendant toute la durée du mouvement. Les premières fois, il faut prendre ses marques sur ces techniques-là. C'est pas un truc qui s'apprend en deux secondes, peut-être ça va prendre, vous allez le faire une dizaine de fois avant de vous sentir confortable. Ma main postérieure, elle est sur la scapula, comme une contreprise. Ma main antérieure, je vais l'amener en avant. Ce qu'il faut éviter, c'est que le patient soit le bras en l'air quand vous le faites, parce que là, il est en contraction. Je vais réaliser un glissement passif. Donc pour ça, moi, j'aime utiliser l'éminence hypoténare. Et je vais ramener l'épaule vers l'arrière. Je pose ma main sur la tête humérale. Ma main gauche, c'est le point fixe. Et je vais réaliser un léger glissement vers l'arrière. Et là, je le garde, le glissement. Et je vais dire à mon patient de faire le geste douloureux. Vas-y. Alors, le challenge pour moi, ça va être de l'accompagner, de ne pas l'empêcher de faire et de ne pas faire à sa place. Vas-y. Donc là, je pense que j'ai relativement bien exécuté. Je vous montre ce qu'il ne faut pas faire. Il ne faut pas faire ça. Vas-y. J'ai pas bougé, il ne peut pas monter, ça lui fait mal. Ensuite, il ne faut pas faire ça non plus. Vas-y. C'est qui fait là? C'est moi. Donc en fait, c'est pas si simple. C'est pas aussi simple que ça. Vas-y. Donc on va faire ça. Et surtout, là il a plus mal, c'est incroyable. Pas mal du tout. Il a zéro douleur. Donc je le fais faire 10 fois. Je le fais une dizaine de fois. Et là, je dis, levez le bras, monsieur. Si la douleur a disparu, ça c'est l'effet pile. Ça marche, je me dis, ah, j'ai un truc qui module. La grande force de Mulligan, c'est ensuite proposer un outil pour que le patient le fasse en autonomie. Mulligan, on le surnomme un miracle par jour.